vous parliez de radicalité. Mais ce qui est radical, c'est la situation actuelle. C'est déjà ce qu'elle impose. Elle est d'une violence inouïe. Elle va frapper prioritairement des hommes, des femmes et des enfants qui sont déjà en situation de vulnérabilité, qui subissent les conséquences d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, qui lui-même est la conséquence d'un modèle de développement dont ils n'ont pas profité, et qui parfois s'est fait sur leur dos. C'est pas d'une extrême violence, hein. On a le symbole et les cymbales pour éveiller nos semblables, mais il semblerait qu'on s'emballe, que la pente soit insurmontable. Un futur insupportable se matérialise sur nos portables. On veut pas être des superstars, mais pour le vivant insupportable. Chez nous, pas d'idole, des timbales. Rythme nos avancées calmes, calmement déterminés. Face au temps, tout le monde s'éteint. T'as vu la crise, la tombe qui creuse pour qu'on rentre tous, ils nous écrasent et nous nous conduisons. Leur pelteuse m'organise le sabotage. Ainsi soit-il, s'abattent les tiges, on voit l'abîme. Vertige, donc on sniffera. Voilà, crime au super, vos pères qu'ils allocassent. Désobéis, cautionne pas, mais reste non violent. Nos valeurs nous maintiennent. Il nous empêche d'être excluants. On a mis le temps, on vous le concède. On vient pour stopper l'écocide. On n'a pas le temps de faire des concerts, mais l'action la plus bloquante possible. Des rivières s'assèchent, les grains du sablier s'écoulent. Tu trouves XR cool, mais c'est la canicule. On a fait tellement de marchés, de manifs pour faire la diff. Diff et des tracks pour que les gens sachent que d'autres se battent et restent actifs. Certains des nôtres ont bloqué l'arche de la défense qu'ils réalisent. Que leur taf les paye, mais écrase toutes nos chances qu'on cicatrise. Avec amour et rage pour le vivant, on se dévalise de nos tendances capitalistes et tentatées les tentatrices. Peu importe nos messagers, le message seul protagoniste. Lis nos valeurs, lis nos principes et notre nom sur ta. En fait, il y a une incompatibilité radicale entre notre système économique et politique et la biosphère. L'un ou l'autre doit mourir. Il est grand temps maintenant de s'organiser. Et l'ennemi est partout. Il est aussi bien au G7, dans les multinationales, dans l'administration. Il est hors nous. Réseau international d'activistes non violents mènent des actions illégales pour protéger le vivant. Nous sommes simplement des gens qui agissent localement, mondialement. Chaîne humaine, spirituelle, voulant freiner notre emballement. Refuse d'être outil du système, remet le système à la place d'outils. S'il fait plus l'affaire, on change, mais on ne sacrifie plus le vivant. On s'entraide, se soutient, on reste bienveillant. Évite juste à nos pique-niques, drame bien un steak bien saignant. La batoukada nous fait avancer, impose un rythme entêtant. Tant et si bien qu'on est tenté de quitter nos tafs dans l'instant. On mène tous une double vie professionnelle et militante. La personnelle s'enfuit, nos existences sont épuisantes. Rejoins-nous, on a besoin de toi, c'était prêt à agir d'une seule voix, et que nos valeurs, nos principes te paraissent évidents. La course au profit donne des ambitions délirantes. Ne laisse pas de répit pour faire des actions méritantes. La course à la survie qui rend esclave et déprimant. Crois-moi, j'ai bossé à l'usine, stop à la machine aliénante. On est beaucoup de repentis du libéralisme qui nous plante. Des coups de couteau dans le dos, chaque nouvelle loi, on veut porter plainte. Ils prônent la circulation des produits, pas celle des hommes. Un réfugié a moins de droits qu'un putain de colis d'Amazon. On les bloque aux frontières, même si c'est la guerre dans leur zone. Mais on apporte du pétrole qui reste le plus grand allergène. Je veux espérer que le dérèglement climatique va permettre l'interconnexion de toutes les inégalités et va permettre à la conscience de classe de se généraliser et de se dire mais c'est pas possible, c'est pas cette petite caste qui va nous tuer, parce que finalement, au final, avec le dérèglement climatique tel qu'il s'annonce, c'est bien la partie la plus pauvre de l'humanité qui va mourir. Comme d'habitude. Pas là pour déconner, plus qu'un an pour réagir. Pas là pour déconner, plus qu'un an pour réagir. Pas là pour déconner, plus qu'un an pour réagir. Pas là pour déconner, plus qu'un an pour réagir. Pas là pour déconner, plus qu'un an pour réagir. Pas là pour déconner, plus qu'un an pour réagir. Plus qu'un an pour réagir. Plus qu'un an pour réagir.